Montauban, juin 1944. Le chirurgien Julien Dandieu se consacre aux soins de ses patients à l'hôpital local, parmi lesquels des résistants. Julien ne fait pas de politique, il soigne des blessés sans se soucier de leurs origines. Mais quand le chef d'un groupe de miliciens français fait irruption dans l'hôpital et le menace de s'en prendre à sa famille s'il persiste à soigner et protéger les résistants, il demande à son ami François d'emmener sa femme Clara et sa fille de 13 ans Florence au château familial du village de la Barberie, là où il a passé son enfance. Après cinq jours, et ne supportant plus l'absence des siens, Julien décide de prendre un congé pour aller les rejoindre. Lorsqu'il arrive dans le village, il est confronté à une scène horrible tous les hommes, femmes et enfants gisent assassinés dans l'église. Pressentant quelque chose de terrible, Julien court au château, mais aperçoit une patrouille de SS stationnée dans la cour. Il contourne discrètement la forteresse et se cache derrière un mur pour essayer de voir sa femme et sa fille, mais ce sont deux corps qu'il découvre. Fou de douleur, Julien sort d'une cachette le vieux fusil de chasse de son père. Il sabote les conduites d'eau et provoque l'effondrement du pont du château afin d'isoler les SS, bien décidé de faire payer les bourreaux de Clara et Florence en les éliminant méthodiquement un à un. Vous le laissez ici, où je préviens le médecin-major Miller. Monsieur Dandieu, la guerre n'est pas encore terminée. Si vous n'étiez pas chirurgien, vous savez ce qui arriverait Je vous embarquerai à la Gestapo allemande et vous seriez fusillé. Eh oui. Il y a longtemps que je vous suis, de loin. Vous avez une famille, une femme, une fille, dans leur propre intérêt. Surveillez-vous. Fils d'immigrés italiens, Robert Enrico est né le 13 avril 1931 dans le Pas-de-Calais. Il se fait très vite remarquer par les professionnels du monde entier grâce à la rivière du Hibou, un court-métrage tiré d'une nouvelle d'Ambrose Pierce. La rivière du Hibou reçoit la Palme d'or du court-métrage au Festival de Cannes 1962, puis l'Oscar du meilleur court-métrage en 1964. Fait unique, il sera acheté par le groupe américain CBS, qui le diffusera dans la saison 5 de la Quatrième Dimension, série culte créée par Rod Serling. En 1963, il obtient le prix Jean Vigo pour La Belle Vie, qui sera censuré et interdit de distribution du fait de son point de vue peu consensuel sur la guerre d'Algérie. Le succès public arrivera deux ans plus tard avec Les Grandes Gueules et dirigera pour l'occasion deux géants du cinéma, Bourville et Lino Ventura, qu'il retrouvera dans Les Aventuriers en 1967 aux côtés d'Alain Delon et Boulevard du Rhum en 1971. Parmi ses autres réalisations, haut, avec Jean-Paul Belmondo en 1968, le secret en 1974 avec Jean-Louis Trintignant, Marlène Jobert et Philippe Noiret, dont ce sera la première collaboration avec Robert Enrico. Après le succès du vieux fusil, il fera une pause cinématographique de 5 ans puisque le tournage de son prochain film qui devait réunir Philippe Noiret et Catherine Deneuve est arrêté au bout d'une semaine pour des raisons financières. Son nouveau film l'empreinte des géants sorti en 1980 sera un énorme échec public et critique et le réalisateur ne retrouvera le succès qu'avec le polar pile ou face, sorti la même année. En dehors de la fresque historique au nom de tous les miens, ses dernières œuvres comme Zone rouge ou De Guerlas passeront inaperçues auprès du grand public. En 1989, Henri mettra en scène la première partie du film consacré au bicentenaire de la Révolution française. Ce diptyque produit pour l'équivalent de 78 millions d'euros sera là aussi un gros échec. Fait divers, en 88 sera son dernier film. Il décédera en 2001 à l'âge de 69 ans. Robert Henri était un réalisateur sous-estimé souvent snobé par une certaine presse française qui ne voyait en lui qu'un faiseur sans talent. Certes, sa filmographie est inégale, mais il lui a suffi d'un film, Le Vieux Fusil, pour marquer à jamais toute une génération de spectateurs. Et ça, seule une poignée de réalisateurs français ont réussi à le faire. Philippe Noiret, un des plus grands comédiens du cinéma français, est né le 1er octobre 1930 à Lille. Il passe son enfance à Toulouse avant de rejoindre Paris, où il intègre en 1953 le Théâtre National Populaire dirigé par Jean Villard. Son premier rôle au cinéma, il l'obtiendra dans le film d'Agnès Barla, La Pointe Courte, en 1956, puis on le verra dans Zazie dans le métro, réalisé par Louis Malle en 1960. Dans les années 60, il s'illustrera essentiellement sur les planches, le cinéma ne faisant appel à lui que pour des rôles secondaires, comme La vie de château de Jean-Paul Rapneau. Philippe Noiret trouvera enfin les voies du succès avec Alexandre le Bienheureux, que réalisera Yves Robert en 1968. Inoubliable personnage qui décide de faire la grève du travail après la mort accidentelle de sa tyrannique épouse, au grand désespoir des habitants du village. Le film sera un grand succès commercial, il n'en faudra pas plus pour lancer sa carrière cinématographique. La liste des films dans lesquels il jouera par la suite est impressionnante. J'en ai fait une petite sélection. La Vieille Fille, en 1972, de Jean-Pierre Blanc. La Grande Bouffe, en 1973, de Marco Ferreri. L'Horloger de Saint-Paul, en 1974, de Bertrand Tavernier. Premier pas devant la caméra du réalisateur et le début d'une longue collaboration puisqu'il le fera tourner dans pas moins de huit films dont Le Juge et l'Assassin, Coup de Torchon ou encore La Vie et rien d'autre en 1989 pour lequel il recevra son deuxième César après celui du Vieux Fusil. L'acteur est autant à l'aise dans le drame que dans la comédie et enchaînera quelques succès dans cette catégorie, Tendre Poulet, L'Africain, tous deux réalisés par Philippe de Broca, et bien sûr le célèbre policier Ripoux dans le film de Claude Zidi, une des meilleures comédies des années 80 avec celle de Francis Weber et son duo Pierre-Richard Gérard Depardieu. Enfin, on n'oubliera pas son émouvante interprétation dans le nostalgique cinéma Paradiso, réalisé en 1989 par Giuseppe Tornatore. Ce comédien a la voix inimitable et chaleureuse. Ce monsieur tout le monde qui a fait rire et pleurer des millions de spectateurs est décédé à 76 ans des suites d'une longue maladie. Ils vont sûrement revenir. Sûrement. Mais alors, le blessé du poumon. Lequel Celui qui a fait sauter le train de Paris. Ah oui, celui-là. Encore un héros. Comment ça vous, héros Mettez-le à la cave à côté de la chaufferie. Il est intransportable. Il est transportable ou alors vous ne savez pas ce que vous voulez S'ils reviennent, ils le prennent, ils le tuent Pignou, Démerdez-vous, mon Dieu La belle Romy, actrice au destin tragique que j'aimais passionnément, est née à Vienne le 23 septembre 1938. Son père était comédien de théâtre, sa mère, actrice de cinéma. Alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson, la petite Rosemarie, son véritable prénom, est contrainte de fuir avec sa famille l'Autriche, tout juste annexée par l'Allemagne nazie. Il s'installe dans une propriété située à seulement quelques kilomètres du chalet d'Adolf Hitler, que la mère de la jeune Romy fréquentera à plusieurs reprises. L'actrice racontera plus tard les liens flous entretenus par sa mère avec le nazisme, un lourd passé familial qui a longtemps pesé sur sa vie. Romy Schneider a toujours rêvé d'une carrière d'actrice et c'est à 15 ans qu'elle fera sa première apparition aux côtés de sa mère dans L'Ila Blanc, réalisée en 1953 par Hans Dieppe. Mais c'est avec un rôle de princesse qu'elle accédera deux ans plus tard à une célébrité planétaire grâce au film Sissi, ainsi que ses deux suites Sissi impératrice et Sissi face à son destin. Elle se lassera vite de ses rôles un peu mièvres et cherche déjà à changer son image auprès du public, mais les propositions ne se bousculent pas. Sa rencontre avec Alain Delon sur le film Christine sera déterminante pour la suite. Leur relation très médiatisée durera cinq ans, avant que l'acteur ne la quitte pour une autre femme, mais il la présentera à Lucino Visconti, qui la fera tourner dans le film à sketch Bocas 70. Delon l'imposera également à Jacques Deray pour La Piscine, qui relancera la carrière de la jeune femme. Durant les années 70, elle enchaîne de nombreux films à succès comme Les Choses de la vie de Claude Sautet, une autre rencontre déterminante pour Romy Schneider, puisqu'ils feront cinq films ensemble, dont César et Rosalie et Max et les Ferrailleurs. Elle remporte son premier César en 76 pour L'importance et d'aimer de Zulaski, un rôle bouleversant et difficile qui aura profondément marqué la comédienne. Elle obtiendra son deuxième César en 1979 pour le film Une histoire simple de Claude Sautet. Le surmenage et les drames de sa vie privée ne lui laissent pas de répit, mais le coup de grâce arrivera en 1981 avec la mort tragique de son fils, âgé de 14 ans. Une mort dont elle ne se remettra jamais. La passante du sans-souci, qu'elle tournera peu après, sera son dernier film. En mai 1982, elle est retrouvée morte dans son appartement parisien. Suicide ou accident suite à un excès de médicaments la justice n'a jamais tranché, et qu'importe, le cinéma français a perdu une de ses plus grandes comédiennes à seulement 43 ans. Dans quelques jours, la ville sera libérée, je viendrai vous chercher. Hein Puis après, dès que possible, je te promets qu'on ira faire un grand voyage tous les temps. Oh oui. <laughs> Comme celui qu'on aurait dû faire s'il n'y avait pas eu tout ça. Oui. Et si tu es très gentil, je te fais un petit. <laughs> Jean Bouise est un de ces inoubliables et incontournables second rôles du cinéma français. Il est né le 3 juin 1929 au Havre et débute sur les planches en participant à la création de la Comédie de Lyon avec Roger Planchon en 1951. Il obtient son premier rôle au cinéma en 1962 dans une production franco-cubaine et l'autre au Cristobal, puis endossera le rôle du capitaine Haddock dans le film Tintin et les Oranges Bleues. Jean Bouise tournera souvent avec les mêmes réalisateurs, trois fois avec Costa Gravas. Pour Z, l'aveu, section spéciale, quatre films avec Yves Boisset, dont l'excellent dupont joie, où il interprète avec autorité un inspecteur de police face à une bande de Français moyens racistes. On le verra également dans la plupart des films de Robert Henrico, ou encore dans les quatre premiers films de Luc Besson, du Dernier Combat jusqu'à Nikita, en passant par Subway et Le Grand Bleu. En 1980, il reçoit le César du meilleur second rôle pour sa délicieuse interprétation tout en lâcheté du président du club de Trinquant, dans le coup de tête de Jean-Jacques Haneau. Jean, Jean Bouise était un acteur discret, mais facilement identifiable par le public grâce à son épaisse moustache et à sa voix profonde. Toujours dans la retenue, il réussissait à disparaître derrière ses rôles tout en imprimant profondément l'image. Il est mort d'un cancer à l'âge de 60 ans, juste avant la sortie de Liquita. Luc Besson n'oubliera pas de lui rendre un hommage largement mérité. Si tu veux, je Ah oui, ça m'arrangerait. Non, parce que tu comprends, ça fait cinq jours et cinq nuits qu'elles sont parties. Encore s'il y avait le téléphone. Mais là, j'y tiens plus, moi. Moi hein? j'avais vu, ça. <laughs> si tu partais maintenant, tu pourrais être là-bas pour le déjeuner, puis... Tu reviendrais vers cinq heures, non Tu crois Prends-toi C'est au scénariste Pascal Jardin, père du romancier Frédéric, qu'on doit l'idée du vieux fusil. Un ami de ce dernier lui confie un récit effrayant où, enfant, il avait vu un soldat allemand dormir à côté de la femme qu'il avait violée et tuée. Pascal Jardin décide alors de développer une histoire à partir de ce récit en intégrant un des épisodes les plus terrifiants de ce conflit, le massacre d'Ouradour sur Glane, commis par la 2e division SS d'Astreich le 10 juin 1944. Claude Veillot, un autre scénariste, viendra se joindre à Pascal Jardin et Robert Henrico, qui décideront de changer le lieu du récit et de raconter l'histoire d'un médecin qui entreprend de venger la mort de sa femme et de sa fille exécutée par les SS. Le Vieux Fusil est une coproduction franco-allemande et sera distribuée et coproduite par la filiale américaine Les artistes associés. C'est Pierre Carreau qui produira le film via sa société Mercure Productions. Avant ça, Pierre Caro, a coproduit et produit respectivement Borsalino avec le duo Dolom Belmondo et Deux hommes dans la ville avec Gabin et Dolom dont il fut par ailleurs l'assistant pendant plusieurs années. Côté casting, et malgré l'évidence une fois qu'on a vu le film, ce n'est pas Philippe Noiret qui était prévu. Les producteurs et le réalisateur l'avaient proposé d'abord à Yves Montand, mais celui-ci refusa. Ils se tourneront alors vers Lino Ventura qui avait déjà fait trois films avec Enrico, mais l'acteur déclina lui aussi la proposition. Malgré tout le talent de Ventura, il est certain que le film n'aurait pas été le même. C'est donc Philippe Noiret, qui venait justement de tourner sous la direction de Robert Henrico, qui endossera le rôle de Julien Dandieu. Pour le personnage de Clara, Henrico avait en tête Catherine Deneuve, mais finalement son choix se portera sur Romy Schneider. Le premier rendez-vous de travail entre les deux comédiens ne se passera pas très bien. Noiret reprochant à Romy Schneider, sur un ton désagréable, d'être arrivé deux heures en retard. Toutefois, en dehors de cet incident, le reste du tournage se terminera sans accroc entre les deux stars, qui tourneront de nouveau ensemble l'année suivante dans le film de Pierre Gagné de Fer, Une femme à sa fenêtre. Romy Schneider s'impliquera totalement dans le rôle de Clara. Ses cris dans la scène du viol furent si déchirants que Robert Henrico décida de les retirer du montage final, par peur que ce passage devienne proprement insoutenable. L'équipe du film posera ses valises à Montauban pour les scènes du début, puis à Bruniquel, un petit village du Tarn-et-Garonne pour les scènes du château où se déroule une grande partie de l'action. Château dont une partie de la façade a été brûlée, le feu ayant quelque peu débordé lors de l'incendie final. Enfin, la scène de la rencontre entre Noir et Schneider lors d'un flashback a été tournée à Paris, à la closerie des Lilas. Des grandes gueules en 1965 jusqu'au vieux fusil en 1975, François de Roubaix sera devenu, en seulement dix ans de carrière, un incontournable de la musique de film. Le vieux fusil sera donc sa dernière composition, avant son décès accidentel peu après la sortie du film, lors d'une séance de plongée sous-marine, son autre passion. Il avait 36 ans. François de Roubaix est né le 3 avril 1939 à Neuilly-sur-Seine. Son père Paul de Roubaix était producteur de films institutionnels. Musicien autodidacte, François découvre le jazz à l'âge de 15 ans, mais il s'intéresse de très près à l'image et envisage même un temps de faire carrière comme cinéaste. C'est Robert Henrico qui lui proposera d'écrire la musique des Grandes Gueules, sa première composition pour un long métrage. Les deux hommes se connaissaient car De Roubaix avait déjà travaillé sur deux courts métrages du réalisateur. Précurseur du Home Studio, il est également un des premiers à utiliser le synthétiseur dans la musique de film. De Roubaix était un créateur de génie d'un remarquable sens de la mélodie. Il travaillait énormément sur les sonorités et les mariages entre instruments, parfois les plus exotiques. En dehors de son travail avec Enrico, il a composé la musique de Adieu l'ami et la plupart des films de José Giovanni, dont Las Comunes, et bien sûr, dernier domicile connu, qui fut samplé par de nombreux artistes comme Robbie Williams. Pour le vieux fusil, François de Roubaix a écrit son plus beau thème, à la fois mélancolique et nostalgique. Pour celui-ci, il utilisera quelques cordes très douces et un piano qui sera rejoint plus loin par une rythmique de jazz. Le piano sépare le thème en deux sonorités, une grave qui représente le personnage de Philippe Moret, et l'autre plus aiguë dont il a modifié le son et qui représente celui de Romy Schneider. Les deux motifs se répondent en alternance, comme dans un dialogue, avant de fusionner et ne former qu'un à la fin du morceau. De Roubaix composera également des passages plus sombres avec des sons inquiétants. Pour la plupart élaborés sur des synthétiseurs. Une compilation contenant plusieurs musiques du compositeur sortira en CD en 1990 avec une seule piste du vieux fusil qui est le thème de Clara. En 2003, le label Universal Music éditera un CD avec cette fois 26 minutes de musique dont deux pistes alternatives. Le magnifique thème de Clara reste pour toujours indissociable du film. Il est impossible de l'entendre sans revoir les images du générique défilé dans ma tête. François de Roubaix obtiendra en 1976, à titre posthume, le César de la meilleure musique de film. On ne peut pas dire que l'affiche française soit très belle, le photomontage est grossier et l'image du viol de Romy Schneider est plus mise en avant que son histoire d'amour avec Moiret. Mais bon, on ne peut pas tout réussir non plus. Il vaut mieux une affiche ratée et un film réussi plutôt que l'inverse. Ce n'est guère mieux du côté de l'affiche japonaise, même si l'idée de mettre une image tirée du générique était intéressante. Mais là aussi, le montage est grossier. La Suédoise et l'Allemande partagent à quelques nuances près la même affiche. Celle conçue pour l'Allemagne de l'Ouest, qui a été rebaptisée là-bas Adieu la nuit, reste sobre et met bien en avant la romance entre les deux vedettes sans occulter la violence du film. La Suédoise rajoute une croix gammée à gauche. Elle ne reprend pas l'image d'une Romy Schneider rayonnante comme sur l'affiche allemande. Elle est remplacée par la même scène du viol utilisée sur l'affiche française, mais en plus petit. L'italienne se rapproche un peu de l'allemande, mais ici, point de Philippe noiré. C'est Romy Schneider qui est mise en avant, enfin, surtout son décolleté. Bref, l'allemande reste ma préférée. Dommage qu'elle n'ait pas été reprise pour l'exploitation chez nous. Les affiches dessinées sont bien plus belles que les simples photomontages. Le vieux fusil est sorti en salle le 20 août 1975. Alors le succès ne sera pas immédiat, mais le bouche à oreille sera très positif et le film restera dans le top 10 de nombreuses semaines. Il rassemblera au final plus de 3,3 millions de spectateurs. Succès incontestable. En revanche, pas de chiffres concernant le budget malgré mes recherches. C'est toujours un peu compliqué de les avoir pour des films français de cette période. Le film a été interdit au moins de 13 ans lors de sa sortie. Aucune scène de nudité, le viol de Robbie Schneider étant suggéré et c'est tant mieux, eut le besoin d'en rajouter dans l'horreur, surtout quand on connaît le sort qui lui est réservé par la suite. C'est donc pour sa violence graphique et psychologique, ainsi que le traumatisme que cela pouvait provoquer chez un public jeune, que l'interdiction a été votée. Si le public d'aujourd'hui serait sans doute moins choqué par la violence, elle reste toutefois encore dérangeante 48 ans après, en particulier la mort de Robbie Schneider. Étonnamment, la commission de classification a revu son visa en 1997 et l'a classé au public avec avertissement. Personnellement, je ne mettrais pas le vieux fusil devant les yeux d'un enfant de 12 ans. Attends, il Le film a été édité en DVD dans un premier temps, la définition et la colorimétrie étaient correctes et c'est ce qu'on trouvait de mieux à l'époque. Une édition Blu-ray a vu le jour en 2013 avec cette fois une image très nettement améliorée et quelques suppléments qui ont été ajoutés. Si vous êtes équipé en 4K, une version dans ce format est sortie en 2018 qui améliore encore l'image par rapport au Blu-ray. Toutes ces versions devraient être facilement trouvables encore aujourd'hui. Le film a divisé la critique, et on a tout à fait le droit de ne pas apprécier le film de Robert Henrico, tout dépend avec quels yeux on le regarde, mais de là le traiter d'abject ou d'obscène, ça me laisse sans voix. Certes, une certaine presse écrite bien pensante n'a jamais aimé, ou que très rarement, le cinéma populaire français, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, les films de genre doivent être autorisants pour qu'ils soient soutenus par cette même presse. Le vieux fusil est sorti un an après La Conducien, le film de louis malle raconte l'histoire d'un fils de paysan sous l'occupation allemande qui décide de rejoindre la gestapo et le film a lui aussi divisé la critique pour des raisons finalement assez proches. qu'est ce qui a tant dérangé ces quelques journalistes le fait de montrer crûment les horreurs de la guerre dans le vieux fusil ou les terribles conséquences de la collaboration dans la combusien est-ce parce que cela leur rappelle un passé pas très glorieux qu'ils refusent de voir? Est-ce qu'il faut idéaliser notre histoire et dire que tous les Français étaient de courageux résistants face à l'ennemi allemand alors qu'on sait parfaitement que ce n'était pas le cas Ou est-ce parce que le personnage interprété par Philippe Noiret décide de se faire justice lui-même Un peu de tout ça en fait. On a d'ailleurs mis le vieux fusil dans le même panier que l'inspecteur Harry ou un justicier dans la ville. N'en déplaise aux esprits grincheux, les films n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Julien Dandieu n'est pas Charles Bronson. Ce dernier se transforme en justicier car la justice et la police sont à ses yeux inefficaces pour retrouver ceux qui ont tué sa femme et violé sa fille. Le policier, interprété par Clint Eastwood, est dans une démarche similaire. Nettoyer la ville de ses voyous, puisque de son point de vue, la justice est corrompue et ne fait pas son travail qui est de protéger les citoyens. Qu'on ne se méprenne pas, Un justicier dans la ville et L'inspecteur Harry sont des films que j'aime énormément, chacun pour différentes raisons. Mais la comparaison avec Le vieux fusil me semble totalement vaine. Il y a deux façons de réagir face au drame que vit Julien d'Andieu. Partir sans rien faire et aller noyer son chagrin dans les bras de François, son ami chirurgien, ou bien s'en prendre au bourreau de sa femme et sa fille, quitte à y laisser sa peau, puisque de toute façon, il n'a plus rien à perdre. Sinon, quoi d'autre Aller voir les gendarmes pour qu'ils viennent arrêter les méchants SS dans le château Attendre qu'on retrouve les coupables après la guerre et qu'ils soient jugés devant un tribunal Est-ce qu'on a retrouvé tous ceux qui ont commis des massacres comme celui d'Oradour Non. Sur 131 SS poursuivis, seuls 21 seront jugés. Certains de ces criminels sont peut-être même encore en vie et profitent paisiblement de leurs derniers jours. Je me suis moi-même posé la question non pas à la première vision du film car j'étais je trop jeune, mais quand je l'ai revu des années plus tard. Qu'est-ce que j'aurais fait dans la même situation que Julien Dandieu Peut-être la même chose que lui, peut-être pas. Comment savoir Chacun réagit différemment en fonction de ses croyances, de sa culture, de son éducation. Mais il est certain que la question morale ne peut pas se poser à chaud. Pour revenir au vieux fusil en tant qu'objet de cinéma, dire qu'il m'a traumatisé est bien faible, et ce, pour une seule scène, l'exécution de Romy Schneider au lance-flamme, certainement la mort la plus violente vue dans un film français. Cette exécution est d'autant plus insupportable que le réalisateur l'a voulu la plus réaliste possible. Et elle l'est. Impossible d'oublier le visage effrayé de Romy Schneider, impossible d'oublier son regard bouleversant vers le ciel impossible d'oublier le son terrifiant de ce lance flamme impossible d'oublier son cri déchirant quand cet engin de mort crache ses flammes sur son corps mais comment un être humain a-t-il pu imaginer et créer une arme aussi épouvantable il a été aussi reproché au film son excès de flashbacks je pense au contraire qu'il était nécessaire de construire le récit de cette façon les souvenirs de julien dandieu permettent d'en savoir un peu plus sur la relation qu'il entretenait avec lara d'apprendre qu'elle n'était pas sa première femme et que sa fille florence n'est pas né de cette union. Mais c'est surtout une façon pour le spectateur de souffler un peu après la mort atroce de Clara et celle de Florence, et avant que la vengeance de Julien ne se mette en place. Le vieux fusil recevra trois Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Philippe Moret, ainsi que le César des Césars en 1985. D'un point de vue technique, il n'y a rien à reprocher à Henrico. J'aime bien sa façon de jouer avec les reflets, mais il n'en abuse pas. Exemple avec le plan sur cette glace qui renvoie une expression déformée du soldat allemand et qui nous prépare à la scène finale, quand le chef des SS se place devant le miroir sentin et commence à voir son visage se déformer sous l'effet de la chaleur. Dernière scène impressionnante et une véritable idée de cinéma. En dehors d'une poignée de critiques complètement à côté de la plaque, le vieux fusil reste dans le cœur de beaucoup de Français et c'est ça le plus important. Car malgré sa violence, le film de Robert Henrico est d'abord et surtout. Une tragique et bouleversante histoire d'amour. Pourquoi me regarder comme ça? Je vous aime. <laughs> Mais vous êtes fou. <laughs> Pas d'indice cette fois pour le prochain film, je le ferai via un billet dans la section Communauté, car je souhaitais terminer cette vidéo par les dernières images du film. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.